Monsieur et madame, tout le monde. Voilà, c'est une première. J'ai reçu une lettre. La première lettre d'un fan, c'est pourquoi je tenais avec vous à l'ouvrir devant vous-même pour pouvoir partager cette première lettre de fan, parce que moi, j'ai rien à cacher. Voilà. Alors, voilà. On l'ouvre. Hein. Alors, compliqué. Tiens, ça colle bien. Hein. Voilà. Attention. Voilà. Hop. Voilà, ici, l'enveloppe. Alors, qu'est-ce que c'est ? Monsieur Freddy Tougou. Voilà, c'est pour moi, ouais. Cher Monsieur Tougou, je vous écris afin de vous dire que je suis avec attention vos différentes interventions sur la télévision d'ordinateur nommée YouTube, ouais. Dont je suis à mes heures perdues un assidu tube spectateur. Ah ouais, original. Je trouve, Monsieur Tougou, qu'à l'instar de Bernie Lavey-Henri, c'est pas mal, vous êtes un philosophe des temps modernes, c'est-à-dire les jours d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, aussi hier et demain, enfin, je veux dire de tous les jours de ces jours-ci et des autres, surtout les suivants. Entendu, ça. Le but de ma lettre est de vous demander si vous accepteriez d'utiliser votre bon sens afin de dire aux gens que ce que vous pensez de mon prochain livre. Ah, c'est original, ça. Certes, me direz-vous, vous ne l'avez pas encore lu ? Ben non. Donc, vous ne pensez pas grand-chose. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais nous allons vous l'envoyer afin que vous puissiez le lire et, espérons-le, donner un avis à ce sujet. Cet avis constituerait une sorte de préface qui tomberait pile au bon moment. Oh, une préface, tiens. Ah ouais, c'est bien, ça. Je vous salue depuis Charleroi. Ah, c'est un Carolo. Et vous dites d'avance merci et bonne journée. À moins que vous lisiez ceci le soir, alors c'est bonne soirée, ouais. Ou bonne nuit, ouais, bon, ça va. Même c'est selon. Philippe Jeunion. Ah oh, tiens, Philippe Jeunion, ça me dit quelque chose. Philippe Jeunion. Ouais, bon, ouais. On va réfléchir, hein, et puis si je me dis quelque chose... Bon, on verra bien, hein. Bon, priez face. On verra bien.